Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Dishonored sur PC. Si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas dans l'endroit habituel où j'étais la dernière fois, c'est parce que c'était un endroit... Ou bien je veux dire que c'était un mauvais endroit pour s'arrêter, puisque il y avait un garde que à chaque fois que je commençais l'enregistrement, il venait de nulle part. Et je suis des... comment dire... Il alerte les autres gardes, donc voilà, je trouvais une difficulté énorme à... à les semer et à les éliminer, donc voilà, on va sortir par ici. Il y a pas mal de gardes que je vais essayer d'éliminer rapidement. Il y en a plein. Punaise, ça va pas être du tout une partie de plaisir. J'ai quand même une idée que je voudrais bien essayer. Mais attendez, il faudrait que je sois sûr. Est-ce qu'il est en train de nous regarder? Possible que non. C'est pas le bon endroit, mais bon. Rien faire. On va essayer de trouver un autre endroit alors. La difficulté ici est tout simplement sublime. Punaise, ça va pas être du tout facile. Attendez. Attendez juste un petit moment. Vois rien de moi. Il y a quelque part ici. Les gens avec le masque, ils sont vraiment durs à gérer. J'ai l'impression que je vais aller par là. Je pense bien que c'est le meilleur endroit parce que je sais très bien qu'il y a un endroit précis qu'on peut prendre. Ça va mal. Est-ce que l'état de la ville n'est pas encore empiré? En effet, je le pense. Punaise, ça va pas être du tout une partie de plaisir. On va y aller par là, histoire de se faufiler à l'intérieur. L'endroit est super gardé. On va essayer. Ils sont tous verrouillés. Je me demande si nous avons d'autres alternatives. J'espère bien pouvoir trouver. Par ici, non. Pas d'alternative. Il y a un rat rouge. J'ai une petite idée peut-être que je pourrais utiliser. Oui. Je vais utiliser le pouvoir de possession. Voilà. Allez. On va se déplacer avec le rat, histoire de passer inaperçu et de gagner du terrain. Oh,
Est-ce que nous avons réussi? Voilà, c'est bon. Un de moins. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Notre objectif, c'est en bas. C'est là que réside le problème. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? Il y a de bonnes chances. J'ai l'impression que je suis en train de tourner en rond. Je vais sauvegarder rapidement ici, histoire. Allez, en bas. Allez. Bonne nuit. Voyons voir ce qu'il y a. Une autre méthode. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? On y est presque. Excellent. Nous avons trouvé une rune. Et voilà la porte, mais bon, il me semblait que c'est inefficace. Allons-y. Allez, on va monter sur la chaîne. Ah non. Punaise. Allez, on va monter. Il semble qu'on ne peut rien faire ici. Pour le moment. Ou bien c'est en utilisant la valve qu'on peut... Ouh, c'est ouvert maintenant. Ah voilà. Je comprends mieux maintenant. Voilà, c'est bon. On peut maintenant progresser. Ça va nous permettre peut-être de se faufiler à l'intérieur. C'est un chemin alternatif que j'ai jamais... utilisé, j'ai utilisé une autre méthode, mais bon. Ah, il n'y a personne ici. J'ai même pas embrassé mes gosses en partant. Si j'avais su, je croyais qu'on avait gagné. N'empêche, le maître avait raison de vouloir choper la petite. Outil de câblage, je pense lui que j'en ai plein. C'est à cause du maître qu'on est dans la merde jusqu'au cou. T'as raison. Un bloc est en haut, Martin à la porte, et nous en plein milieu. On est à l'intérieur. Silence tous les deux. Nous gardons Pendleton. Faisons-lui honneur jusque dans la mort. Je voudrais bien les éliminer, mais... Est-ce qu'ils vont nous voir? Vous savez quoi, je vais faire une petite sauvegarde rapide ici. Et hop là. Je vais remonter. Ne dis pas ça. Excellent. Sans se faire repérer. Nous avons pu passer toute la sécurité sans se faire repérer jusqu'à maintenant. Je pense bien que le pire est à venir. Voilà, je vais faire une sauvegarde rapide également ici. Ah, si je me souviens bien. Je peux passer par ici. Et je vais faire un outil de câblage. Et la machine va se mettre à les éliminer.
très très malin. C'était quoi? Allez. Allez, venez pas ici. Je suis là. Oh, j'adore ce que je vais faire. C'est pour cela que j'ai gardé les outils de câblage, parce que ça pouvait me permettre de déjouer les tours, des pièges des ennemis, ou bien... Bon, vous savez. Comment accéder à l'intérieur ici? Je voudrais bien l'éliminer, mais... J'aime tenir à l'écart. Excellent. Il n'a pas vu venir celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres gardes? Je ne sais pas. Mais de toute façon, on va aller à l'intérieur ici. Et on va utiliser le levier pour aller dans le phare du Barros. Puis voilà, c'est le dernier ascenseur. Cible neutralisée, Pendleton. Bof. J'ai même pas vu si c'était nécessaire, mais bon. En tout cas, il faut sauver Emily. L'heure de la vengeance a sonné. Oh, il y a des gardes. On n'a qu'un seul garde. Voilà, bonne nuit. Un autre garde ici. Ça va pas être du tout pénible, je pense. Voilà. Ça vous apprendra à me tirer dessus. Je sais que c'est pas la meilleure façon pour s'infiltrer, mais néanmoins très efficace pour se débarrasser rapidement des emmerdeurs. Voilà, nous sommes arrivés vers le phare. Je pense bien que ça va, que c'est juste une question de temps avant d'en finir avec le jeu. Voilà. Élixir de santé, Sokolov. Voilà, phare de Boros. Le dernier demeure d'un traître. Donc, on doit éliminer Avlok. Je vais le tuer tout de suite, je vous le dis. Parce que vraiment, il m'a énervé. Il m'a énervé. Pour sa traîtrise. Et les traîtres doivent mourir. Où est-il? Nous avons du chaos élevé et ça change tout. Ça devait être la chambre d'Emily. Oh punaise. Et rien ici. J'ai l'impression qu'on va avoir une mauvaise fin. Si c'est déjà le cas, oui. Je vous le dis tout de suite, nous allons voir la mauvaise fin puisque j'ai le chaos élevé. J'ai pas vraiment fait attention malgré les jours qui m'ont
qui m'ont dit de faire attention et du son. Ça me dit rien devant. Ça me dit rien devant. Bordel. Je crains le pire pour Emily. On ne me dit pas que c'est le cadavre d'Emily. Elle est où? Ah, la voilà. Je pense bien que ça va être la dernière confrontation. On va monter par là. Je vais faire une sauvegarde. Oui, voilà. Est-ce que je peux utiliser le pouvoir du temps au cas où? Mais non, t'as pas de plus qu'en faut. Et je saute. Corvo, sauve-moi! Silence! Aucune chance. À vrai, Corvo. Vous avez déjà laissé passer l'occasion de devenir un héros. Et vous allez connaître un nouvel échec sanglant. Vous vouliez laver votre honneur? Sauver la petite fille en détresse? Oh non, Corvo. Ça ne vous ressemble pas. Oh, punaise! Je vais recharger la partie, je m'en tape. Je vais essayer de... Je vais essayer de sauver Emily. Je ne pense pas que ça doit être... que ça doit être possible. Venez voir, on peut faire ça. Sinon, ça sera vraiment dommage. Mais non, on va s'élancer à nos trousses et s'apprête à tout faire échouer. Corvo va tous vous tuer. C'est possible. Corvo a tué bien des gens, mais il n'a pas sauvé beaucoup d'impératrices. Excellent. Allez, on va la sauver. J'ai toujours su que tu viendrais. Tu es mon héros. Et dès que j'allais prendre la mauvaise fin. Tant mieux. Je les aurais fait exécuter. Je suis l'impératrice. Et voilà, c'est la fin. Je vais vous laisser admirer la séquence de fin. Et moi, je vais vous dire... Au revoir et à bientôt dans un prochain let's play. J'ai vraiment adoré le jeu malgré que j'ai foiré. J'ai pas vraiment fait attention que je devais vraiment pas tuer beaucoup pour ne pas augmenter mon chaos. Mais bon. Que nous dira l'histoire? Que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres portée par un tueur nommé Corvo? Non. Elle dira que la jeune Emily Caldwin prit le pouvoir à une époque chaotique et qu'elle régna de son mieux dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices. Que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non, elle se souviendra que tu étais là, Corvo. Oh,
tout est beau et ta faute.